Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019. La série, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas tourné. J'ai eu des petits soucis avec, avec le jeu. D'accord? J'ai eu des petits soucis avec le jeu. C'est pour ça que j'ai pas pu la tourner. Voilà. C'est un peu déchiré de mon côté. Je pense que vous aussi, ça vous fait triste que j'ai pas tourné cet épisode. Mais voilà. Donc c'est de partir de zéro, hein, pour ceux qui connaissent. Tout avant, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais la vidéo, normalement j'avais prévu 3 vidéos à faire. Donc je serai largement en avance, donc vous aurez la première épisode, enfin, la première vidéo c'est partir de zéro, donc la suite des épisodes, comme on l'a dit, ça va reprendre. La deuxième vidéo, ça va être la dernière épisode de 100% Faint. Et oui, parce que la map est sortie, il y a 2 jours, voilà, à l'heure où je fais la vidéo. Et la troisième vidéo, ça sera la saison 2 de la première épisode de la nouvelle marque de AgriFrance V3. Sauf que le problème, le dossier est hyper endommagé, donc je dois la retélécharger la map. Mais voilà, je ne sais pas si je la ferai aujourd'hui ou je la ferai demain. On verra, parce qu'il y a 2 montages de châssis. Je vais voir dans la semaine, vous verrez bien si. Si les 2 vidéos, donc la première et la deuxième que je fais aujourd'hui, vont se faire ou carrément plus tard, mais vous verrez bien. Donc aujourd'hui on est sur une nouvelle map, donc j'ai changé de map. Il faut savoir un truc, comme j'ai eu des problèmes, j'en avais marre de la map poser parce que j'étais pas fluide de mon côté. J'ai pris une décision de tout vendre, le matériel, les terrains, etc., tout ce qu'il y avait sur la map et tout ce que j'avais acheté, tout ça. Et du coup souvenez-vous on avait 2 millions, presque 2 millions avec la vente des terrains, etc. J'ai vendu pour j'ai remboursé mon emprunt en vendant tous mes terrains, tout ce qui était placé et tout, et j'ai vendu tout mon matériel. J'ai dit je vais repartir sur zéro, récupérer tout, récupérer la somme qui me reste sur le compte pour le prochain épisode sur la nouvelle map, parce que si j'emporte les véhicules, je pense à me laguer. Là je suis fluide, là vous voyez ça tourne en tranquille. Je vais appuyer sur la touche 0, vous allez voir le montant. Voilà, on est à 1 million, presque 1 900 000, donc ça c'est cool. La map, faut savoir un truc, alors désolé là, je lag un petit peu, je viens d'arriver sur la map. Voilà, si tu veux bien me laisser, voilà. Vous voyez, c'est des grands champs, d'accord. Ouais, il a pas marché le truc hier, mais bon, sinon. Alors désolé, petit coup de lag. Bon, il faut savoir un truc. Voilà, il y a sur la map, vous avez les 3 types d'animaux, donc cochon, mouton et vache, d'accord. Voilà, donc nous on va continuer sur la continuité des vaches, hein. Vous voyez c'est grand. Bon, là je pense que je mettrai tout mon matériel de céréalier. Voilà, là je pense que je mettrai tout ce qui est traitement, je pense. Et ici ben je mettrai, ben là c'est quoi, c'est ça, c'est mon silo. Alors, pour l'instant j'ai pas acheté silo, là ça devrait être semences, et là on pourra ranger une moissonneuse ou un truc comme ça, on verra bien. Mais on a de la grandeur et je pense qu'on pourra placer des trucs après plus tard. Donc voilà, donc il y aura toujours le panneau gouvernemental. Vous avez aussi un bâtiment, je pense que ici vous pouvez stocker des bottes, voire même du matériel. Les animaux s'achètent ici. Donc je vais vous montrer sur la map. Voilà, donc vous avez biogaz, fromagerie bretonne, scierie, cop agri bretonne. Donc c'est la map, je sais plus le nom de la map, mais je vous dirai peut-être le prochain épisode. Là aujourd'hui, voilà, je vous explique un peu. Donc voilà, c'est très joli, c'est très propre. Je l'avais vu cette map et j'ai dit je vais faire ma partie perso dessus. Mais du coup moi j'ai pris notre map et du coup j'ai dit on va faire sur celle-ci, on va essayer. Voilà, donc on commence ici, hein, je vous dis, belle maison. Belle maison, à mon avis. Désolé.
pense pas qu'on peut ouvrir. Ah, ici, vous avez quelque chose ici. Vous avez aussi un biogaz. Ah, ici, vous pouvez remplir le fioul. Ouais, total, ouais. Fioul. Je suis en train de regarder, hein. Je découvre, j'ai pas tout découvert aussi, hein. J'ai découvert, voilà, il y a 3 silos, mais à mon avis, on va faire du d'enribonné. Wani, wani. Donc, voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé, hein, entre-temps. Donc, j'ai tout vendu, je suis reparti de zéro. J'ai juste récupéré l'argent de la vente de mes véhicules, bah, ce qui me restait sur le compte quand j'ai tout vendu. Donc, il faut savoir que là, on va pas acheter les terrains, on va acheter toute la map. Pourquoi toute la map? Parce que, bah, on ne peut pas acheter les terrains. Voilà, si je vous montre sur échappe, si jamais j'ai pas de sauvegarde, non, c'est cool. Voilà, on va aller sur la map. Vous voyez, hein, tous les champs vont nous appartenir. Si je prends sur terrain, je vais vous montrer là, sur terrain, et je clique, tous les champs m'appartiennent. Donc ça coûte 12 600 euros. Hein, ça, c'est cool. Sauf que, on va dire qu'en théorie, non. Là, on va dire en théorie, non, toute la map n'appartient pas, d'accord? Ça veut dire que dans le jeu, ils appartiennent, mais théoriquement, techniquement, je vais dire, non, ils n'appartiennent pas. Donc, du coup, alors j'ai pas mis le mode saison, mais on verra peut-être plus tard pour le mode saison. Donc, du coup, on aura quelques champs à nous, peut-être des champs d'herbe, des champs, voilà. On verra où on sèmera du champ. Voilà. Il y a pas mal de champs. Je trouve que le 31 est plus grand quand même. Mais voilà. Donc on va commencer. Hein. C'est pas tout, mais le temps passe. Hein. Voilà. Donc j'achète. Voilà. 12 000 euros. Pour commencer, on a déjà ça. Voilà. Je vais vous montrer. Il y a aussi les cochons. Mais on ne prend pas les cochons. Parce que on va dire qu'on a acheté le terrain. On va dire qu'on a acheté toute la map, mais on n'aura que les vaches et que ce qui est certains terrains que je vais prendre. Donc, rendez visite. Voilà. Ici, voilà, vous avez les cochons. Bon, après, je ne sais pas parquer comme il faut. Hein. Bon, ben voilà. De toute façon, hein, je peux interagir. Oui, je peux interagir. Donc, voilà. Donc, hop, on y va. Vous voyez, il y a du rangement ici. Et je crois qu'il y a même une ferme céréalière. Ouais, normalement il y a une ferme céréalière à mon avis. Attends, là-bas il y a quoi? Parce que. Ouais, c'est en face. En face, il y a la fumière et tout. Ouh, désolé. Voilà, je suis en train de charger. Ouais, bon, une sorte de. Ouais, céréalier. Céréalière, ouais, pof. Là, vous avez quelque chose ici. Voilà. Donc comme la vidéo va durer 15 minutes, je pense qu'on va commencer à acheter quelques animaux. Entre-temps, ben voilà, tout nos terrains nous appartient, mais techniquement non. Voilà. Donc là, oula, désolé, ouf, j'ai eu un petit freeze. Voilà. Alors, voilà le village. Là c'est quoi? Là ça va être le lait. Où je suis. Ouais, fromagerie. De toute façon, vous avez le magasin qui est ici. Vous avez la scierie. Bon, de toute façon, on va pas faire du bois. Mais vous avez le négociant en bétail. Donc, ça, c'est cool. On pourra acheter nos animaux. Ça nous coûtera moins cher. Donc, voilà. Après, on peut choisir enclos 1, gros enclos à vache. Après, vous avez grand enclos cochon. Grand enclos vache. Ah, mais il y en a que... Oui, il y en a que deux. Et non, non, il n'y avait que ça. Oui, je vous dis une connerie, vous n'avez pas tout. En fait, vous avez que cochons et vaches, mais après, vous pouvez mettre un bâtiment et mettre des moutons. On va aller au magasin, parce que on va commencer. Ça fait combien de minutes que je tourne? Ça fait 9 minutes, si le jeu veut bien. Désolé si... J'espère que le son va pas foirer. J'ai toujours peur que le son foire. Mais bon, on verra bien. Donc, on va attendre que je spawn. Au magasin, s'il veut bien, s'il veut bien. Si c'est trop long, je pense que je vais faire une petite ellipse, hein, une éclipse. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Et je vois qu'il y a des cultures autour. Donc, on va voir les cultures qu'il y a.
Normalement, là, on voit qu'il y a des betteraves crières, il y a quoi d'autre? Des pommes de terre. Il y a du blé. Du blé. Désolé, je suis un petit peu enrhumé. S'il veut bien. Donc, ce qu'on va faire. Je vais faire une coupure et on revient très très vite. Donc, voilà, je suis pas au magasin, c'est un petit peu long. Voilà. Ouh, oui, j'étais en train de réparer la mini pelle. Bah, la grosse pelle. Alors, bah, bon, c'est grand. C'est grand. Voilà. Vous avez un petit Renault. Bah, un gros Renault. Non. C'est combien? C'est 610. Voilà. Normalement, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Grange. Biogaz. Oui, pas très bon de biogaz, hein, je vois. Voilà. Mais on va voir les terrains. My speed. Hop, désolé. Ouh là. Là, je. Voilà. Parce que là, je me mets en. Voilà. Ouh. On verra bien. Oula, ouais. Ce que je vais faire, je vais voir un truc. Si ça bug pas comme sur votre map. Silo. 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 Mettre la machine. Le Sin Master. À la ferme des vaches. Parce qu'il y a de la place. On fait notre production. J'espère qu'elle va pas faire comme les autres. Bugger. Sur le map. Parce que sur le map, j'ai eu un petit souci. Hop. Ah merde. Hop. Ah, c'est quoi là? Ça, c'est la ferme des cochons. Hop. Là, vous avez. Ouais, vous avez des petits chantiers, tranquillou. Hop, vous avez quand même des champs quand vous voyez. Alors attends, c'est ici. Je vais pas mettre trop loin la machine. Voilà, la machine, elle sera très bien là. Attends, je vais juste vous regarder si elle est bien placée. Bon, ça coûte de l'argent. Elle est bien placée. Bon, il y a les arbres, hein, mais bon, c'est pas grave. On va dire que elle a poussé entre-temps. On va mettre notre panneau gouvernemental. Il est dans divers que j'avais modifié. Donc maintenant, je crois que, je sais plus si je vous dis, je l'avais remodifié. Je crois que maintenant, c'est 200 € par heure. Si, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Voilà, 200 € par heure. Alors, je vais juste mettre. Ouf. Alors, il est quel sens? C'est comme ça. Ouais, donc on va la mettre propre. Comme il faut. Déjà, on va commencer. On va le mettre là. Ça a poussé. Voilà. Donc déjà. Est-ce que j'ai des erreurs? Ouais, j'ai des erreurs de Seedmaster. Alors, il faut savoir que j'ai le DLC classe. Donc, je vous mettrai aussi l'image de mon menu qui a changé quand j'ai acheté le DLC classe. Donc voilà. Je pense qu'on va prendre ce champ-là. Qu'est-ce que vous en dites? Il a l'air très bien pour commencer. On va prendre celui-là. Et je pense que 3. Ah mais il y a un bâtiment ici. Ah. Le jeu, s'il te plaît. Je pense qu'il n'aime pas trop. Mais à mon avis. J'espère que vous m'entendez toujours. Donc voilà. Je pense qu'on va prendre celui-là, celui que je vous ai montré. Et je pense que je vais prendre celui-là. Si vous bien. Voilà, bon j'ai des petits. Ouais, c'est chiant d'avoir des coups de lag.
À mon avis, je pense que je vais faire une petite ellipse, encore une fois, et je vais vous reprendre. Ouais. À mon avis, je pense que je vais prendre celui-là, comme je vous ai dit, le petit champ là, celui-là, et je vais prendre. Je vais prendre. Je suis en train de regarder. Hein. Je vais prendre. Ça, c'est quoi ça? Du colza. Bon, on va prendre celui-là. Et je pense que je vais prendre. Il faut savoir qu'on va avoir des champs d'herbe. Donc, je pense que je vais prendre celui-là. À côté. Voilà. Deux à côté, deux là-bas. Donc, voilà. Hop, je reviens au magasin. On avait vu un truc là-bas. On va vite fait voir ça et on va se quitter là. Normalement, on devait commencer à acheter du matériel. Mais on s'achètera ça plus tard. Voilà. Je vois ce que c'est. Non, c'est pas ça. J. Tout. Voilà. Voilà, faut que. Oups. Cliquez sur 0. Désolé, je vous ai entendu le jeu fort. Ouf. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir? Non, on peut pas ouvrir. Ah, ça peut être une deuxième extension ici. Un truc serralier. Ah non, c'est une vente de paille. Bon, après, on peut mettre des véhicules là. Derrière, il y a quelque chose. Non, bon, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Vous savez quoi? La miniature. Voilà, ma miniature, ça va être simple. Voilà. Allez, hop. Miniature, je vais attendre que. La capture s'affiche. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc nous on va cesser là. Peut-être que je commencerai à acheter 2-3 trucs, mais on verra ça. On verra l'épisode suivant. Là c'est pour vous expliquer et pour vous dire ce qui s'est passé depuis. Et bah, on commencera ce qu'on a à faire. Faut que je me rappelle les champs, d'accord, que je dois faire. Parce que là on va pas mettre le mode saison. Et après, ben. Bah, on va attaquer tranquillou. Là, c'était juste présentation. Oula, juste présentation de ce que j'ai fait l'autre fois. Voilà. Et de ce qu'on a commencé à faire là. Et de vous expliquer de la suite. Voilà. Donc voilà, on achètera. Ouais, on va commencer par du matériel à peu près convenable. Et après, voilà. On augmentera crescendo. Voilà. Donc merci. Avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas sur tout ce qui est dans l'inscription, voilà, si tout est marqué, il suffit de faire plus, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si c'est toujours pas fait. Nous on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo, moi je vais faire l'autre après, tout de suite après, donc moi je vous dis bye bye.